You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bonsoir Yogo Mori. Bonsoir. Comment ça va, mon cher Ponce? Bah écoute, ça va pas mal, un peu mieux que DNS, qui vient quand même là de gagner un ticket tout droit pour aller chez Buffalo Wild Wings pendant la fin du week-end. Ce qui est pas trop mal en fait, parce qu'il s'est quand même fait un petit peu de pognon et un petit peu de points maintenant. Oui. Faut voir combien. Je vais vous dire le ça pognon. Tout de suite. Comment il a fait de billets? Ah, 2750 $ et 300 points WCS. T'as de quoi quand même rigoler un peu à Austin, quoi. C'est ça, si t'as pas pris ton billet première classe, normalement tu devrais à peu près te payer ton road trip. Même si on imagine que Cascade n'y est pas pour rien quand même, pour ce petit déplacement. Parce que de dire allez à Austin quand même, faut sortir le petit chèque quand même. Mais c'est cool, c'est une performance quand même cool de faire un top 16. On aurait aimé avoir beaucoup plus, c'est mais vrai. Marine était trop fort. C'est vrai, mais le niveau des pro-gamistes est très élevé, Yogo Mori. Oui. Puisque on a quand même du très très lourd, Trou Lambeau. Alors voilà, là on est. On peut en faire un point bracket. On est sur du talent. On est sur du talent. Peut-être pas le top monde, mais on est sur du top mobeuge minimum. Ouais, au moins. Et t'as du top chisance, hein, surtout du côté de chez Trou. Et c'est ou improbable. Lambeau, c'est tout aussi. Pas tout aussi extraordinaire, mais c'est déjà assez. Je refile mon téléphone
Arok, voilà, qui a m'escorté pour me récupérer ma commande et éviter que je me fasse banane, parce qu'il fait faim. Bref, Scarlett contre Nerdshow, ça va être intense aussi. À chaque fois, leur match est du 3-2 et c'est super long. Nimmana, ah, Nip sera favori. Stéphanos Nut. Stéphanos Nut, c'est la soirée de la rigolade, Diogo. Hein, parce que du coup, 1, 2, 3, 4, quatrième match. Stéphano continue, ce sera dans la soirée. Stéphano, c'est un aimant à ZZ. Le mec, il est arrivé, ça a été le dernier ajouté dans le bracket en mode c'est le remplaçant du remplaçant du remplaçant. Je ne sais pas quand il est parti. Groupes J, là. S'il avait déjà pas un. Plus bas. Ouais, groupe J, là. Voilà. On arrive, bon, tu vas être dans ce groupe-là. Allez, prends-toi un ZZ, genre direct. Et après, oh, mais tu vas passer en groupe Z, tout du coup. Et dans quel groupe tu. Il arrive, il est où déjà? Je le trouve plus, là, Stéphano. J'ai mon radar Stéphano, voilà, allez pim, là tu te prends 3-0. Ah d'ailleurs il avait déjà, on avait joué Bios, on avait joué Groom et on avait une petite carte. Et puis après bon bah groupe Sedge 3, là on a quand même dodge un peu les ergs, mais c'est un aimant à gros ergs Stéphano. Et pour une fois il n'a pas Serral, mais il se récupère Snot. Truc de ouf quand même, il a réussi à passer 3 phases de groupe, parce qu'on rappelle quand même que les Dreamhack c'est... Les tournois des groupes, c'est quoi. Long. Bah c'est ça en fait, c'est soit ils tu font plein de groupes tout le temps. Soit tu es qualifié en fait dans l'événement et tu es dans le top 16 et tu attends en fait que les autres ils se tapent dessus, mais t'as depuis 2 ans en fait un open bracket, donc n'importe qui non qualifié, tu as du Showtime, bah t'es DNS entre autres Clem qui peuvent y aller, mais tu vas te taper des groupes et des groupes. Check le regard du guerrier de trou quand même. Ouais. On n'y croit pas trop. Non mais cette histoire. On n'y croit pas trop, gladiateur trou. Ouais. Tiens, on va le voir là. Regardez, à 3-1. Ah, c'est vrai que Lambeau, il a fait son petit séjour en Corée. Hein. Voilà tout ce petit crew qui était au pays du matin calme pendant les Nation Wars, où en fait les gars ils s'échangeaient au niveau des interviews. Tu sais jamais qui était qui. Ou tu sais Lambeau? Non, en fait c'est nos regrets. Et après voilà c'était. Lambeau joueur allemand, Lambeau solide ou Lambeau solide. Regarde The Eye of the Tiger. Il est pas là pour déconner, il est là, là pour le cash, il est là pour la tugance. Ah ouais, non mais c'est le et pour choper des meufs. Non mais c'est le tug par excellence, trou. Tu vois, alors c'est ouais. Tu le vois. Alors déjà, il a une sorte de pantalon. J'appellerais pas ça un pantalon. Il y a toujours une idée de jogging, mais tu veux dire un sarouel? Ouais, sarouel. Un sarouel. C'est quoi? C'est les pantalons larges c'est ça, en gros, à peu près. Qui te permettent d'être à l'aise au niveau de l'entrejambe. Bah c'est ça en fait, parce que c'est ce que je veux dire, la limite en fait de l'entrejambe est au niveau des genoux à peu près. Ouais. T'as de l'espace, ça permet de ventiler, ça permet d'être bien, ça permet d'être à l'aise quand tu viens en event. Voilà, trou, c'est la dégaine du mec pépère qui vient après te chier la gueule, voilà, c'est le plan. Donc trou, c'est un mec vraiment cool, vraiment adorable. Et qui est pété du brain, hein. Quand même, le gars qui s'est fait remercier de Giner, parce que non, tu fais que des strats à la con, mec. On veut pas de toi. Giner, t'es intenable. Il a plus d'équipe, trop. Si, il est chez Psystor Gaming, il a été récupéré. Et donc, si vous suivez la scène depuis. Alors, c'était quoi? Il y a 3 ans. Les gars, ils avaient essayé. Blizzard avait verrouillé en fait le circuit. Genre, les Coréens, vous pétez un peu les burnes. Il y en a 20 en Europe, 20 en NS, ça ressemble plus à rien. Quoi, vous renvoyez en Corée. Et en fait, du coup, ils avaient mis masse de restrictions. Et Psystorm, ils avaient tout regardé, ils avaient récupéré les avocats, tout le bordel pour essayer de trouver en fait la faille de la faille de la faille pour le récupérer. Et au dernier event de l'année, ils l'ont trouvé, ils ont récupéré les paplards. Donc le mec, il a eu son visa 3 jours avant l'event. Il est arrivé à l'event, il l'a défoncé, il l'a gagné. Spot gratuit direct à la BlizzCon et pim. Le mec, il a enchaîné ses 30 000 balles d'event WCS avec BlizzCon, t'en as déjà 10 000 à l'arrivée. Oui, il s'est fait du coup son petit 40 000 balles en un mois. Ouais, voilà, puis il a gagné son match puisque je crois qu'il a été fini top 8 de la BlizzCon. True. Bah, je crois aussi, hein, c'était pas dégueu sur cette BlizzCon là. Il a pété 2-0 expect, 2-1 mana. Il a perdu contre Lambo. Il est là, il est chaud. Trou contre Lambo, le match qui s'est lancé. Rock. Alors, attends, j'avais rien. Je pensais que j'avais relancé du Rock son derrière. Rock s'est mis à StarCraft aussi. Hein. Je sais pas si vous en avez parlé, on attend tes analyses fines. Attends, je pète. Qu'est-ce qui se passe, mec? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, je clique, ça zoom. Putain. Ah, c'est pas normal. C'est pas censé faire ça. En tout cas, il est en haut à gauche. Il est bleu. Le filouter. Bien sûr, il s'agit bien sûr de Trou. Alors que... Et Trou qui cheese direct. Hein. Là, la pull first.
Poule gaz. Gaz poule, je sais pas. Bon, en tout cas, il va venir saloper direct son adversaire. Pas de pitié. 6 Zergling à production pour le joueur sud-coréen du côté de Lambo qui ne se doute de rien, qui est là comme ça en train de se balader dans la pampa. En mode balou, okay. En train de choper des fruits, des ananas, des trucs en mode pour être tellement très peu pour être la petite collette. Alors que c'est la Bérésina Yogomori, puisque Moultelings sont en voyage vers Lambo. C'est ça, le but c'est de brouiller. Alors on est dans la version trou, c'est-à-dire en fait t'as pas de couinasse. Donc en général tu vas ajouter une deuxième base derrière. Donc c'est un entre deux chaises du côté de chez trou pour aller mettre une petite PLS économique. Hein, du côté de chez Lambo, c'est ce moment où tu sais jamais trop si le mec a fait un pool loose ou pas. Et là ouais, c'est le moment où t'as un... Ah non, vas-y, c'est relou, mec, il pète les burnes. Faire une défense avec un petit aiguillon du côté de chez Lambo qui a à peine lancé. Non, on envoie des drones, mais on envoie deux. On n'est pas convaincu de ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Sortie de drone ici. On envoie les premiers links de la part de Lambo. Lambo qui est en panique pour le moment, qui va essayer de défendre à la bien, cousin. Le speedling qui va terminer. Les bending également pour Trou qui vient et qui cheese direct. Pas de pitié. C'est ça, pas de pitié avec sa petite transition. La base qui va être lancée, mais les bannings qui ont déjà été temporisés ici, parce qu'on n'est pas capable de mettre un gros coup de pression avec le speeding qui vient de se terminer. On va essayer d'encercler la queen. Aïe. Oh, la queen qui prend. Le bending. Aïe. Oh, Trou qui va pas déconner. Trou, il était là pour get some pussy, get the shit done. Et définitivement ici, en train de prendre l'avantage dans cette game. Deuxième queen qui va tomber. Oh là là, Lambo. Je vais pas faire un jeu de mots trop évident. Mais il est en pièce détachée. Désagrégé. Ouais, c'est ça. Hey, allez, vas-y. Oui. Non. Je dirais. Oh non. Oh là 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 là. Alors là, il y a eu perte de confiance. Say. Oh, le speed. Mais non. En plus, il avait des tubes, Lambo. Il aurait pu en faire des. Aviateur. Est-ce que je peux... Ouais, je vais vous montrer Battle.net. Je cache le... Non. Ok. Non, je vais montrer... Il faut appuyer sur la barre d'espace. Allez, regardez le graphique. Regardez, suivez mon curseur. C'est le... Ah, ok, nickel. Suivez mon curseur. Voilà. Effectivement, la game était courte et c'était dur à prévoir. Yogomori ? Il est violent. Il était pas prêt. Tu vois, Lambo, c'est bien, c'est... Tu vois, t'as l'affiche, la premier tournoi après le retour de Corée. 3 minutes 31, hop. Ok. T'as appris des trucs en Corée? T'as appris à sécher tes larmes ou... À chier sur les dragons d'Occidentaux. Mets-toi là. Dégage. Sors de la game. Retourne chez toi. N'égoutte. Tu vas servir à récupérer 300 points ladder sur le serveur. C'est tout ce que t'as fait. Lambo qui vient de se prendre la spéciale... La classique du petit le traitement du petit joueur blanc. Ah non, parce qu'en plus c'est son BO à trop, voilà, sa variante, son style, son truc, il le fait à chaque série. C'est le truc de base que tu dois apprendre à contrer quand tu joues en ZZ. Et il se l'est pris quand même dans les dents, quoi. Ah, c'était violent. Pourtant, écoute, la défense semblait pas dégueu, mais... pas dégueu, bon. J'ai pas vraiment vu quoi que ce soit qui était réjouissant du côté du joueur allemand, je te le cache pas. Après, du coup, bon, voilà. Il vient de se faire titiller un petit peu, hop, tac, il va faire « Ah ouais, tout, toi, tac !» Commence à enlever son t-shirt, les deux cancels, us, ah donc !» Mais en tout cas, il va forcément réagir. Le temps pour refaire 2-3 pompes, ressortir la petite pince pour rechauffer les papas. Et on s'était stressé. Ouais, petite hyperventilation chez Lambo. Bah, parce que on va appuyer sur la touche M, mais en général c'est à peu près du 400 cents de moyenne. Hein. Lambo, c'est vraiment le gars qui. Ça va vite. Il finit à la fin de la journée, s'il dépasse les 3 heures de ladder, il y a des crampes. Hein. Et les courbatures après, pendant 3 jours. Beaucoup trop d'APM. Chez ce joueur allemand. Mais on y croit. On y croit, l'APM est là. Le skill également, faut juste qu'il arrive à play. Un peu. Faut qu'il arrive à pas se faire trop dominer. Faut qu'il arrive à poser le 15e drone sans souci. Voilà. Après. À partir de ce moment-là, on est sur les rails. C'est comme un avion. Plus dur, c'est le décollage. Après, tu planes. Ouais, il suffit un petit peu de réacteur et puis tu vois, t'avances. Mais faut déjà avoir sorti les pneus de la piste en haut à gauche. On retrouve en tout cas le joueur coréen. Il s'agit. Et en bas à droite, joueur Teuton
qui clairement s'est fait un peu chahuter dans ce début de BO5. Lambeau. Eh ben. Je suis en train de regarder. En fait, on est en train de. On gourmande, disait. On a fait la cause assez rapidement, mais derrière, on se permet de recaser quand même quelques drones. C'est pas la plus petite carte du map pour là. Donc, c'est ce que vous ouais, allez c'est voir. Grand, ouais. Il y a de l'espace en fait, le tout droit n'existe pas, c'est une sorte de zigzag infini, donc les joueurs ont tendance à faire plus de drones que d'habitude. Et les gens type Denver et Login, voilà, ils traversent la carte avec des drones, là. Ils esquivent les deux une heure, puis ils arrivent dans ta base, ils font coucou. C'est la recrudescence de ce dernier mois, ce bide du cancer. Michel oh là là. Pour un nouveau mois qui s'annonce aussi haut que le précédent. Merci Merci Chil. Ah là 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 là, cette régalade. Cette régalade. Alors, Shield, c'est l'homme en fait qui a fait 5 donations de 100 balles. Il a jamais gagné là-bas. Ah merde. Ah non, à 100 balles ouais. Ah bah la bad beat, la Shield quand même. Faut checker ton horoscope, se passe un truc là. Parce que je crois que la 6ème, il l'a gratté. Mais c'était genre la bête noire de la barre de kiff. Et l'outil de tirage au sort. Ok. Eh bah, big up Shield, tu envoies du pâté, merci de ton soutien, ça fait plaisir. On rappelle que eh bien, la barre de kiff sur la gauche eh bien, s'incrémente à chaque donation cumulée qui arrive dans les 115-120 balles. Et un t-shirt est gagné par un des téléspectateurs, bien sûr, alors que Chocapic rentre dans les locaux pour l'Overwatch League, bien sûr, qui se déroulera à partir de ce soir. Voilà, c'est ça. C'est presque aussi bien que du StarCraft 2. Donc une fois qu'on a fini WCS, s'il vous reste un petit peu de temps de cerveau, n'hésitez pas à aller faire un tour sur... voilà. Avec une fière équipe de connards, Overwatch League, avec Lutti, Chetouane, Funkadelic, Verrier, qui est également Faya, et Adibou, en chef de film. On vous conseille évidemment d'aller squatter sur le stream, c'est Overwatch underscore FR sur Twitch. Ouais. Et c'est bien de la balle. JJSB 1974 qui reset pour 27 mois. Bienvenue, re-bienvenue pour la 27ème fois, JJSB. Ça fait plaisir. Tout comme en fait ce ZZ qui est un peu en train de se tasser. Hein. Tu vas avoir le droit d'avoir des unités un peu plus évoluées que en fait 2 Benling et 5 Zerling. Cette carte elle est sacrément intéressante, hein. C'est l'une des plus multitask oriented, comme on pourrait dire, mais si c'est pas très très français, c'est un peu dégueulasse. Beaucoup d'options de jeu. Une fois que t'as posé tes 3 bases, Baline Est, un peu de Zerling, ok, là tu sais que les joueurs ils vont atterrir sur du 50 drones normalement sans trop de soucis, à moins qu'il y en ait un qui pète un câble pour X raison. C'est genre si vous voyez Scarlet sur cette carte là, il va avoir une certaine tendance à faire des butalisques par exemple. Mais là voilà, sur le coup des 4 minutes, ta chambre d'évolution dans le wall, ok, c'est que c'est parti, tu vas faire du cafard. Pareil, j'ai l'impression du côté de chez Trou. Donc on respecte les fondamentaux, on respecte le build order de base. La petite particularité peut-être c'est cette intensité sur la cuve muqueuse qui en ZZ est toujours autant à double tranchant. Oui, t'as de la vision, mais d'un autre côté, les belles lignes vont atterrir beaucoup plus dans tes drones. As-tu vraiment envie de courir ce risque? Je ne sais pas. Visiblement, Trou a envie. Trou, de toute façon, il a jamais fait comme tout. Je préférerais plus le bleu au rouge. Si tu réponds bleu, il dit ouais, je vais prendre la rouge. Est-ce qu'on peut dire que indépendamment de tout, ils ont trop. C'est ça le chien, il le creuse lui-même. Avec ses dents, même d'ailleurs. Parce que c'est vraiment peu commun. Est-ce qu'il a une dentition en forme de pelle ou c'est quoi là? Ouais. Quel est le lien? C'est pas non, le lien. Non, jusqu'à juste en fait, il est bizarre. Il fait pas comme tout le monde, c'est juste ça quoi. Donc, il économise ses mains pour jouer à StarCraft. À la mâchoire. Bref, on a donc. Oh là 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 là, du cafard. Non, je disais qu'on allait atterrir sur les 50 drones, en fait pas du tout. Là, on a un Lambeau qui est un peu vexé de cette première game où il s'est fait complètement bourré. Voilà, 15 cafards lancés. Une aiguille. Ben ouais, évidemment, ouais. Trou, il pète son câble. Eh ben, je vais un peu t'abuser, mais non, mais t'as pas payé ton tir des cafards. Hein. Tu vas le sentir passer. Hein. Avec la petite pression de. Non, petite pression de Zerling qui empêchait. Putain, à 5 minutes, tu vois, 5 cafards, t'es pas encore sûr. Ah, sinon, si, il est sûr en fait. Là, l'autre, il appuie sur le bouton. Un mec qui est débarqué sur le chat qui a fait DNS a vaincu, point d'interrogation. Ah, Goliath. Eh bien, non. non, 0-3, non, non. C'est très très loin d'une victoire. Il y a eu un vaincu, mais c'était... Voilà, c'était... Bon. Attention, le petit paquet là. Oh. C'est pas mal, parce qu'en fait, il sur une. Même si en fait, là, ça lui coûte cher en fait à Trou, il est obligé de gagner du temps, peut-être pour son aiguille, pour ses aiguillons, et il était obligé de prendre la population. Bah, scooter qui tente le vol. Oh, le vol de t-shirt qui est tenté de la part de Scoot. Hop, hop. Oh là là, il va réussir à se débarrasser. Oh, la micro quand même de Lambeau qui est propre. Hein.
le petit cocooning sur les roaches en dommage qui du coup va lui permettre de sauver la face et sauver l'armée. Est-ce que ça va suffire? On n'a rien chez Trou. Attention, Lambeau qui vient peut-être pour l'égalisation. Non, effectivement, il n'y a rien, c'est pas beaucoup hein, pour défendre face à des cafards et des ravageurs. Je crains, mon cher Lucapof, que nous ayons une égalisation ici dans cette game. Ça va dire, c'est brutal. Bré. Dégage. Oh, les bendings, Trou qui va tout donner dans cette défense qui ne va pas prendre grand chose. Et c'est ça, et voilà les bêtes. Et les mutas qui ne vont même pas sortir. Effectivement, il y avait ça hein, quand même. Incroyable. Oh, incroyable. Là, Lambeau, en fait, il va chercher le build order absolument parfait pour contrer un trou qui a une certaine. On entend le vieux Lodin qui est en train de souffrir ici pour Trou, qui a tenté de violenter cette game. C'est bon, là, 20 pop, tu peux y aller. Hein. C'est bon. Et quand tu veux. Ah, qu'on a d'autres matchs à faire, mais. Non, mais c'est pas. Tiens, il est là en mode. GG. Il est en mode profiter, les gars. Je sais que vous avez eu 2x3-0. Je vais essayer d'entertain. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu de débat. Un showman, ce trou. Ah, définitivement. Ah, non, mais écoute, effectivement, tout pour l'entertainment. Et là, du coup, eh bien, Lambeau qui prouve. Eh bien, une efficacité hors norme. Il revient partout. Non, mais c'est vrai que sur cette carte où tu peux, où tout le monde part du principe que tu vas macro et. On va tirer au sort. Chill qui récupère son t-shirt. Big up, ouais, Chill. Ça sera le deuxième à t'envoyer. Comme je disais, j'ai pas envoyé avant au moins une semaine parce qu'en fait, tous les cartons, ils ont déménagement des locaux. Et oui, donc il va falloir les récupérer dans les nouveaux locaux. Le déménagisme, plus c'est maintenant. Vous en avez parlé ou pas? On a juste mentionné qu'on déménageait sans trop spoiler, mais que voilà, la semaine prochaine, ça arrive enfin. Enfin, ça fait 2 ans qu'on en parle, qu'on déménageait. C'est enfin été, on a visité. C'est 2 ans que nos voisins essayent de nous virer à coups de main courante. Et c'est... du coup, à chaque fois, on fait non. Voilà. Tu vas faire c'est quoi à, à part nous faire un procès. Balnazar qui sait, bien sûr. Et donc, oui, effectivement, grande période pour gaming avec ce déménagement. Je t'ai montré les vidéos que j'ai prises ou pas? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu? J'ai pas vu la vidéo. Ah ok, t'as pas vu la vidéo, mais t'as vu le. Le local, ouais. T'as vu le local. C'est trop bien. C'est trop bien. On était. Alors, on a fait la visite, genre jeudi matin. On était tous comme des camarades. Et là, on peut faire ça. Et là, on peut faire ça. On se cachait dans les murs. Alors, c'était trop bien. 1200 mètres carrés dédiés au sport électronique, Hugo. Oh là là. 1200 mètres carrés. 700 mètres carrés de studio. Fat. On a combien là ici pour rappel déjà? Ici, on est que à 411 mètres carrés. On triple. On triple la surface. On triple. On va tripler le kiff, les gars. On va tripler l'entertainment. Et notamment 3 plateaux de 100 mètres carrés. Qui nous permettront de, eh bien, de célébrer le gamisme en public également. Alors, on serre tous les doigts pour pouvoir passer la commission de sécurité. J'avoue. Qui a lieu le 13 juin. Mais si ça passe, on pourra accueillir du public, donc vous, pour venir mater des émissions. Non mais tu sais, quand je me dis que t'es juste depuis 5 ans, tu vois, dans un 30 mètres carrés, je me dis, alors en fait, dans un plateau, je peux mettre 3 fois mon appart. Vraiment. Et on déménage à Ivry-sur-Seine, alors c'est à 5 minutes du périph. Et C'est ça, on savait pas encore si on pouvait parler de l'adresse publiquement, donc on n'avait pas mentionné. Ok, c'est dans la ville d'Ivry, voilà. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. La vache, moi qui croyais que gaming était en galère. Eh bien, pas forcément, notamment depuis qu'on a pu faire une levée de fonds en août dernier. Et après, non, pas trop de galère, hein, ça progresse plutôt de manière hyper stylée. Ah bah, de l'activité de tous les jours, hein. Regardez-moi ce compte de sub, regardez-moi ce innovation. Déjà, StarCraft, putain, on est en train de remonter à 2005, là, c'est ouf. Vous êtes des grands malades. Mais après, il y a aussi, voilà, comme on parlait d'Overwatch, c'est ça. Avec Blizzard Entertainment. Il y a du League of Legends. Riot Games, beaucoup de League of Legends, puisqu'on a presque maintenant 2 chaînes. Alors, elles ne sont pas tout le temps allumées, mais c'est fréquent qu'elles soient allumées les deux en même temps. Avec toute la ligue officielle, la ligue locale, ligue chinoise, ligue coréenne. On a Hearthstone également avec Gamers Origin, avec nos amis un peu casu, qui sont fans de tirer des cartes et fumer des spliffs. Et puis un peu et de enfin, Battle Royale, bien sûr, à ne pas oublier, Yogo. Quand même, le style qui a le plus le vent en proue. Le voilà. Poupe. Donc non, c'est vraiment trop stylé. Et au gaming, c'est plus ce que c'était. Non, mais on sort de vieux plats, de une sorte de cave où t'as plein de ventilateurs mais qui ne fonctionnent pas, où il fait 40 degrés l'été, à une sorte de verrière climatisée où t'es
presque en faire. En autre joke, dans les bureaux, il va presque falloir mettre des parasols. Il y a ouais. tellement, non mais il y a tellement de lumière, mec. On avait les yeux pétés dans la zone des bureaux, quoi. Bah tellement après, c'est extraordinaire. Bon, le problème donc, des, enfin le problème. Dès que tu fous une fenêtre à un nerd, il ferme les rideaux. Ouais, et puis, mais là, t'as le toit, quoi. La verre. Ouais. D'ailleurs, je propose. Merci Golit. Merci Golit. Alors, je proposais d'ailleurs, si tu valides, en tant que patron, si la commission de sécurité passe, donc sous la verrière, deux trois transats, une piscine. Ouais, bah ouais. Il y a moyen de bronzer un peu. La piscine, c'est parfait là. Ouais. Donc voilà. C'est dans les... On fera un sub goal peut-être à venir sur les prochaines émissions. Nous, les gars, on va se concentrer quand même sur ce match trêve de bêtises. On a un l'embauche, un d'évolution dans le rôle. On est parti sur une petite ouverture avec un gaz. En fait, retardé, pas tant que ça. En fait, même pas du tout. On feinte en fait un jeu sur deux bases, mais pour arnaquer peut-être avec des Erling. Trou qui fait une ouverture tout à fait standard. Troisième base, des Queens qui chassent les dominants. Et un échancre qui est posé en bonne et due forme. Ben ouais, en fait, il fait vraiment le BO de l'arnaque. Ou alors il annule son speedling au dernier moment. Il y a des gens qui font ça. C'est le BO de Rogue, voilà, que je vous ai montré lors de la dernière poissonnerie. Où il fait, ah, il n'y a pas eu d'agression, vas-y, j'annule mon speedling. Pas besoin. Et là, il est terminé. Voilà, donc on n'est pas là-dedans. Des joueurs qui vont avoir envie de faire une grosse ration de Zerling. Une petite vingtaine. Ah, ils vont le terrible. Mes gamins s'appellent Alexandre et Adrien. Quel... Quel bon goût. Tu es dans l'âme de goût, Yvan. Ok. Ok. Non, mais là, il est en train de faire. En termes de muguet, qu'est-ce qui se passe, Yogo? En termes de muguet, en fait, il y a un lambeau qui tente ici de cacher quelques petites plantations illégales de Zerling. Oh. Et qui, en fait, va se faire cueillir par un trou qui avait déjà ah, monsieur anticipé. Monsieur Laja, c'est pas réglementaire, hein. Oh, ma chaise dans la loco, je place ma chaise. Merci à toi. Merci, ma chaise. Ça fait plaisir. L'entertainment est capitatif. Bah là en fait t'as une pression d'Erling qui se fait donc réceptionner. La grosse Quinas là qui se fait quand même arracher le boule en plein milieu du terrain, c'est un peu rude. Mais on ne subira pas plus de dommages comme ça. Voilà. Oh, la fail. Et ça c'est dur. Nul. Lambeau c'est nul. Bah surtout que derrière en fait ça va être 3, comment est-ce que tu vas la maintenir en vie? Oui, tu lances 5 cafards mais les Erling sont déjà présents sur le terrain. Trou qui ne va pas mordre face à la pression imposée par ces D-Link. Si t'as perdu la queen, tu t'en fous, hein. Là il y a une troisième base à aller réceptionner. Vas-y, cours mon petit père. Faire le tour, la queen est morte, mais ce n'est pas grave, on est sur la couveuse ici, et on a un tir 2, donc cette fois-ci on ne sera pas sur un gros ligne tir 1 des familles, ni d'un côté, ni de l'autre, et puis on tire la base. Oh, finalement c'est une belle défense, hein. Ouais, c'est défendu propre. Le fait d'avoir forcé le demi-tour à au moins quelques airlings pour gérer ce qu'il y avait là, fait que bah, au lieu d'avoir 20 lignes, il n'en avait qu'une dizaine, et il n'a pas pu abattre cette couveuse. Donc je sais pas en fait qui est censé être bien dans cette game. On voit que là on a quand même un gros timing sur le type d'attaque qui va se dessiner. Les deux joueurs qui retombent sur leur pad global. Ouais, ça tempo tranquille, on est sur du rush des deux côtés. Les ups qui sont clairement du côté du joueur allemand qui pourrait décider de partir en blitzkrieg tôt ou tard. Et traverser la map. Façon j'attaque, c'est parti les gars, je suis chaud, YOLO. Et c'est probablement ce qu'il va essayer de ambiancer tôt ou tard, peut-être après la saturation de cette troisième base, peut-être avant, on ne sait pas. On va avoir le plus les reconstructions gliales bien sûr qui sont recherchées pour les roches de Lambeau. Ils vont aller vite ces petits cafards comme des petits cafards sur relais. Ouais, bah c'est un petit peu une le ZZ à cette phase de jeu là, c'est une sorte de guerre de dernière fois. Tu fais une fusée, je vais faire une fusée. Tu fais une nuke, je vais en faire une. T'en as fait 10, je vais en faire 20. Et chacun en pile jusqu'au moment où, à un moment, trop c'est trop, t'as saturé toutes ses bases, tu sais plus quoi faire tes ressources et. Bah, je vais faire des units. Et Oh, Yogo Mori. Oh, pas loin, mais pas de dégâts opérés. Oh, on va venir chez Flick. Ça fait mal. C'est la petite technique en deux temps. T'as cru que j'ai foiré, mais en fait, c'est pour. Voilà. T'as commencé à te foutre de ma gueule et je t'ai très pas. Bien exécuté la part de trou. Ou ici qui trouve la faille. Non, et surtout qui rentabilise ses airlings. Hein. C'est la grosse difficulté de cette entrée en phase de cafard. C'est qu'est-ce que tu fais de ce que t'as fait de tes premières unités, en fait, tout simplement.
Ah, il fait le tunnel, évidemment. Hein. Quel petit fripon trou. Qui n'est que sur 5 gaz. 5 gaz aussi du côté de chez Lambeau, qui a dû remplacer beaucoup de drones. Il y a quand même 10 de pop d'avance, malgré le fait qu'il est pris très très lourd. C'est là où ça se tasse. Les deux qui font tunnel. En fait, soit tu fais tunnel, soit tu fais bataille Hydra pour faire d'Hydra, soit tu fais bataille Hydra pour faire des lurkers, soit tu fais des drops. T'as toute une panoplie d'options qui s'offrent aux ZZ. Et là, ça va devenir n'importe quoi. Tunnel contre tunnel, c'est une sorte de foire. C'est très difficile à gérer, c'est très multitask intensif. Et c'est réservé à l'élite. Le burger est en train d'arriver, j'espère. Ok, tu as une tranche de bacon qui est à l'interphone. C'est ça, ce message. Une tranche de bacon, un scooter. S'il vous plaît. Ok. Infiltration de la part de ces quelques cafards ici qui sont bien déterminés. 4 cafards dans chaque base et c'est parti. Petit troupeau de cafards d'eau dans cette main. Lambeau qui va essayer de semer la zizanie et de semer le chaos. La bouffe, Rock! Voilà le petit multitask qui est bien avancé. La carapace pneumatique qui a été. Qui est lancée pour faire un peu la différence, récupérer le map control. Mais pour l'instant, c'est plus des unités. C'est la strat de la taupe, hein, en fait, qui est ambiancée du côté de chez Lambeau. Bien avant que Trou n'ait pu mettre la scène en place. Alors, il se retrouve avec moins de drones, mais beaucoup plus de valeur d'armée. Hein. C'est un scénario très classique de ce genre de situation. C'est jamais très très évident et en fait c'est à qui, voilà, dans quelle mesure en fait tu vas savoir réajuster la suite de ton développement. C'est t'as la pop et pas de drone, t'as la drone pas de pop et il faut faire gaffe aux contre-attaques tout simplement et aux transitions. Est-ce qu'il y en a pas un qui va mettre une aiguille, est-ce qu'il y en a pas un qui va mettre un bâtiment hydralisque. Là on restabilise à peu près même pop même de drone. Allez. Ok, sniping de Valor d'ici sans pitié. Très difficile à cool hein, cette situation. Ah, je kiffe jouer ce genre de game. C'est hyper excitant parce que c'est 100% de la tactique du multitask et du ou premier qui craque. Hein. Il va se passer des. Tu t'envoies des unités dans tous les sens et tu verras bien ce qui se passe. C'est à celui qui va le mieux jongler. Chacun s'envoie des grenades et puis avec la goupille détachée, tu sais pas voilà, tu sais pas quand ça va péter. C'est à peu près ça qui se passe hein, ici. Ok. Oh, l'ordre de position. La map ici, Lambeau qui n'a pas le temps, qui a beaucoup plus. Oh, le surune. Aïe. Lambeau qui pourrait faire le cut sur cette attaque ici, sur cet assaut. Oh, il est complètement bien positionné ici. Il a fait un engagement complètement énorme. On se retourne. On va tenter de la kicker. Après, on a mis quelques builds. Mais si on met trop de DPS dessus, on va se prendre des builds du côté de chez Trou. Finalement, petite stabilisation de la situation malgré le positionnement avantageux du côté de chez Lambeau. Regardez, c'est cette conquête. Il y a un peu plus d'espace. Hein. Il utilise la couleuse. Ça lui permet d'avoir une meilleure surface de contact. Mais voilà, Trou décide de déborder ici. Sentant qu'il avait un petit peu plus. Mais c'était sans compter les renforts de Lambeau. Tu reviens refermer les taux. Ah ouais. Maintenant, il y a les renforts de Trou. Il se mange lui-même ses propres builds quand même. Oui, les builds qui ne touchent pas de manière scandaleuse pour le joueur allemand. Attention, il se fait repousser un petit peu ici. Est-ce que ça va suffire? Lambeau qui est quand même devant, largement devant la population de service de pop à 100, à 96, pardon. En tout cas, au niveau de la pop armée, les deux joueurs qui sont en train de faire des roaches. Juste des roaches. Non, mais c'est tellement. T'as pas le droit de faire autre chose en fait dans ce genre de situation. Si ce n'est faire des roaches shooter. Voilà, c'est ça. La diversion qui va être tentée. Oh, il y a beaucoup pour Trou là quand même. Là, la prise de faille de Lambeau qui est pas du tout. Allez. Oh, qui est pas du tout sereine. Allez, encore une fois là. Oh là. Ok. La technique okay, du rat qui a du temps parce que là il va tout perdre. Là, c'est Laura qui te remonte par le conduit des chiottes. Là. Il est en train d'arriver, il lui arrive dans la main. Mais non ! En train de se faire souiller ses bases. Là on vient déjà de perdre 11 drones, on repart en tunnel. On n'avait pas de sporuleur, donc pas de détection. Et même si on a l'enfouissement pour se planquer du côté chez Trou, on ne récolte pas pendant ce temps-là. Donc on choisit l'option un peu d'espoir. Genre je traverse la carte et j'intercepte. Trou qui réceptionne ici, qui intercepte, comme tu le dis, l'armée de Lambeau. Lambeau qui pour le moment est en mode full harass. Mais est-ce qu'il a suffisamment la maison? Parce que s'il se fait complètement jambonner, bah, il a perdu quand même. Même s'il est en train de taper l'économie de son adversaire. C'est ça, maintenant quels vont être les renforts du côté de chez Trou, qui a toujours un petit peu plus de valeur d'armée mais qui se fait saloper. Et là t'as 5 cafards qu'on mobilise une vingtaine, genre c'est pas rentable mais on va récupérer la B4 ici. Ah, c'est le feu, c'est un bordel monstrueux. Et dans ces games comme ça en général Trou il est chiffre. Hein. Oh.
C'est genre, c'est l'avantage du positionnement du côté de chez Trou, mais en fait, les beaucoup moins de, comment dire, de points de vie sur ses unités, qui fait qu'il se fait griller un peu plus de pop. Mais ensuite, descend à 33 drones. 33 drones ici pour Trou, qui définitivement a tanké les assauts de son adversaire avec les testicules et se retrouve du coup bien embarrassé. Oui. Avec la moitié de l'économie de son adversaire, Lambo, lui, qui est resté au top et qui est en train de se diriger vers un 2-1. Lambo, avec ce move-là, quand même, qui régale, puisque là, il est bien, il a suffisamment d'armée, il va pouvoir prendre la fight. Et il a infligé le Hadouken au niveau de l'entrejambe de son adversaire. Ouais. Se retrouve dans une position. C'est le moment où tu attends le 200 de pop, être sûr. Non, 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 on l'attend pas. Non, on a envie de forcer. Non, on a envie de forcer parce qu'on n'a pas la V3 ici. Au niveau du côté de Gélambo, avec un peu plus de population qui va chercher le câlin sur le ravageur de son adversaire pour le pousser. Mais voilà, le renfort de Trou qui arrive sur le côté pour flanquer, peut-être faire la différence. Malgré les 20 de pop d'écart, voire même 30 désormais. Est-ce que le joueur coréen est capable d'en pousser ses chauds? Il y a beaucoup de rip-up, Yogomori. Oui. Je sais pas, t'as la concave. Et le repop, elle n'est pas encore sur le terrain. On peut peut-être repousser. Tu vas avoir une base d'avance malgré les 20 de population de retard. C'est chaud. Et les 20 drones de retard aussi. Ah, c'est rude. En termes de revenus, Lambo, il a quand même deux fois. Il y a un moment. Il est encore. En fait, Lambo, il a encore le temps de reposer une base. Voilà, là, il est en train de longue distance mining, mais c'est, il récolte encore bien. Okay. Il pourrait se faire sniper cette base. C'est un peu cynique, mais effectivement, là, genre. Clairement PV. Bah, en fait, Trou ne peut pas bouger à cause de ça. Voilà, c'est un peu le boulet. Pourquoi est-ce qu'il la bute pas et qu'il la reproduit, hein? Ou alors il la heal. C'est lui le proche, c'est lui le pro gamer, hein, celui qui décide, évidemment. Ouais. Mais, ouais, non, c'est vrai qu'il pourrait, il pourrait ramener 2 transfus. Hein, il y a cette fois là. De toute façon, avec 28 drones, t'as pas assez d'économie pour pondre des cafards sur 4 bases. Donc vas-y, t'as pas besoin de tes transfus. Enfin, de. Des injections. Du M1793 qui dit et une B2, une B4 et c'est la win pour Lambo. Est-ce que tu es d'accord? Bah c'est ça en fait, c'est la B4 pour assurer, c'est la win. Hein. Il a voilà, il a déjà deux fois plus de revenus quasiment. Donc s'il assure la longévité de son économie et de son la pérennité de son économie, normalement c'est bon. Normalement il le fait. Il y a un moment où ne rien faire c'est ce qui va être le mieux. Enfin rien faire à part poser B4. C'est, il va au lieu d'avoir 20 pop d'avance, il va en avoir 60. Tout d'un coup en fait le hacklick va suffire. Voilà, et là tu prends 3 drones pour 3 cafards. T'es un peu dans la technique Terran. Le Terran en PLS, il va t'empaler des libérateurs et des medivacs. Oh, non, vas-y, reste dans ton côté de la carte. C'est ce qu'il est en train de faire Trou. Hein. Il est pas bien. Et du coup, il envoie au suicide sur des opérations pas rentables de, bah, des unités à l'empalette. Mais t'es obligé de le faire pour la dynamique de jeu. Bah, ça c'est pas. Ouais, non. Ah, c'est bon, mais c'est pas. C'est pas adressé. Ok, je suis là, ok, bah vas-y, passez, messieurs. J'ai pas de problème. Vous m'avez l'air tout à fait honnête, d'honnête, petit cafard. Okay. Là, Trou, tu sais ce qu'il fait? Il est en train de base. Là, c'est en mode. Ouais, non, ça pue, je vais jouer au bâtiment. Ouais, c'est parti. S'il avait un dominant là, t'inquiète, qu'il y aurait pas une Spire déjà. Est-ce qu'il y a pas des drones déjà en train de fuir? Non, je sais pas. Bah, c'est sa seule manière de gagner, parce que là, il se fait éclater sur tous les pans de jeu, pas d'économie, ouais. Pas d'armée. Donc il faut ruser. C'est bon, la base ici qui est sélectionnée par Lambo. Lambo qui part en favori dans cette muguée. Mais encore faut-il qu'il arrive à sauver ses bâtiments. Non, bah c'est ça, hein, là il faut faire attention. Lambo qui est pas aussi percutant, il fait un demi-tour, hein. C'est toujours délicat. Est-ce que c'est le bon call là, du côté allemand? Yeah, faudra pas perdre. Il revient def. Il revient défendre le terrier des cafards qui va chuter. Au moins il a posé cette base là, donc il peut déporter ses drones normalement sans trop de soucis. Il a tellement. Ok. Il a tellement plus de ravageurs là. On a 4, ça va se faire griller le boule par les cafards avec la vitesse. Voilà, le premier qui se fait aggro. Bah, Lambo de manière générale qui est à poil là, hein. Genre, on est sur une unité affichée. La baguette TV est prêt. Merci. Il a que. Il a 20 pop de moins que son adversaire Trou, et pourtant il est là, il est toujours sur la faille, sur la brèche. Alors, ça c'est le truc de t'as envie de perdre ta game. Allons deux fois où t'es. Ah, c'est l'histoire de ma vie de mettre des spires dans ce genre de situation. T'as pas de thunes. Juste faire des cafards, en fait, tu vas gagner. Pourquoi est-ce que t'as envie de faire des mutas? Surtout que le mec, il a 120 pop du genre. En fait, je vois l'idée parce que je la fais tout le temps. J'aime cette idée de faire des mutalis.
n'a pas d'entir. Voilà. Le pivot comique est automatique. C'est exactement ça. Mais le drame et le vrai pivot comique, c'est quand tu banques pour faire des mutacs, t'as 42 pop d'avance et qu'en fait le mec il te bourre juste avant que t'aies lancé tes mutacs. Ouais, bah tu peux. Ouais, c'est toujours un peu le risque. Te retrouver piégé, pied et poing liés. Mais par contre. Mais ouais, mais t'es piégé. C'est un peu, t'as sorti ton rouleau scotch pour essayer de baïonner ton. Enfin, je sais pas, un type. En fait, c'est, voilà, ton voisin. Et en fait, tu te prends les pieds dans le scotch, tu vois. En fait, finalement, tu vois, t'es coin. C'est un peu ça, la Spire. Tu penses faire le malin, tu développes. Mais en fait, non. Pas toujours. Et non. Pas toujours. Bref. 8 mutalisques. Bah, pour le coup, ça va passer. Et ça va être un GG. Sûrement. Un instant non, GG, tu penses ? Non, il va tenter le hack. Il va arriver face à un mur. Ouais, 9 mutalisques en production. Pendant ce temps, Trou s'amuse avec les overlords de son adversaire et essayer de les biler. Tu vois, ce moment où en fait, quand tu vois les mutas, faut mieux quitter, faut pas donner la satisfaction au mec de te péter toute ta peau avec ses mutalisques. Non, vas-y, arrête. Ouais, t'as mis ton point, t'as fait le malin. Allez, t'as pris un bâtiment, t'as fait toute la game. Vas-y. Attention. Vas-y, attendre Trou, non ? Attention. En Trou okay. Itraya là. Trou Itraya. Sa vision, il a pas encore vu les mutas. Il y va, il est chaud. Là il est débile, là il y croit, là il se dit qu'il va multitask. Et là muta. Là il est bien, il a muta. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait Trou? Il continue. Trou n'abandonne jamais. Ah, de toute façon, un mec qui fait des mutas, c'est tu le half-click avant de quitter. Hein. Oh. Oh. Oh les villes, quoi, t'es monstrueuse. Hein. Lol. Non, c'est bon, il n'y a pas les combinaisons. Like True Survivor! Trou ici qui va se faire baloum baloum GG! Mais... Lambeau qui passe du coup 2 à 1. Mais t'avais un peu l'exemple de pourquoi, genre, des mutas, c'est un peu des fois la fausse bonne idée. Hein. Ah, le mec il a plus qu'une option, c'est te hack-click. Et si tu réceptionnes mal le truc, genre là il est en train de descendre la rampe, il se prend les billes, t'as la contre-attaque qui arrive parce que toi t'as fait un F2, tu sais que tu dois défendre. Et bah, des fois tu meurs comme une burne quoi. C'est ça sent le vécu, Yogo. À maintes reprises, à maintes reprises. Comme ça, d'expérience, de vécu, de tranche de vie. Et vu que je suis teubé à chaque fois, je refais la même. Your sick de cœur. Merci de à cœur, toi. Bien sûr, yo. Bienvenue sur la route tout poutre. Non, surtout qu'en plus, à des ans, je crois que la dernière fois que je l'ai fait, c'était Soul Spirit, j'avais le seum. Et la fois d'avant, ouais, j'avais 25 mutas et j'ai cliqué le mec. Allez, vas-y, tu vas perdre. Il a mis 3 billes. J'ai perdu 20 mutas sur les 3 billes. C'est le moment où elles arrivent et font. Mais non. Ah, oh, dur. Ah, oh, sale. Oh, ça, c'est le skill move, effectivement. Tu en rêves hein, quand t'es en Z contre Z et que tu te fais surprendre par des mutas, puisque tu n'as que ça pour en fait te défendre. Mais complètement. T'es là. Mais c'est pour ça que tu ferais pas les mutas, t'aurais pas ce 1% de chance où tu peux perdre sur une merde. Lambeau qui a besoin de la couleur rouge. Donc on se fait on transvase les couleurs. À l'admin qui demande s'il y a besoin d'un break. Oh. Break ? Non, on fait du ZZ, les gars, c'est notre quotidien. Bah. On enchaîne. Prochain match, ce sera quoi du coup ? Scarlett Nercho, c'est ça. Scarlett Nercho, Nip contre Mana, Stefano contre Snioté. Ça va être fat ça. Et on a Bly contre Special. Ça va être vraiment cool cette fin de soirée. Stefano, il a un vrai shot. Pour battre notre. Ce qu'il a fait face à Serral en Challenger, c'était méga stylé. Il s'est pris le 3-0, mais comme tout le monde se prend 3-0 face à Serral. Dieu qui joue bien. Oh la vache, il a retrouvé un multitask. Et puis surtout, il a fait le truc qu'on attend de lui depuis 2 ans. Mec, il a varié les builds. Oh là là. Parce que le Stefano qui fait les BO, les mêmes BO tout le temps, genre c'était. Là, il y a eu des mutas, il y a eu de la baigne, il y a eu du roach, il y a eu de tout du côté de chez Stefano. C'était en plus d'être forcément intelligent et utile dans un match compétitif, c'était tellement stylé à regarder. Donc voilà, j'ai envie d'y croire. Dans tous les cas, on a on est à 2-1 voilà, dans ce match. Et quand bas à droite ici, champion WSS Montréal. Oh là là, Alexandre Bertrand qui rentre dans les locaux chez toi, bien sûr. Troubadour du skill, magicien de la langue. Chetouane qui sera au casse de l'Overwatch League ce soir, n'hésitez pas à y passer. Login qui a fait une petite sieste en mode il est tellement mort qu'il est incapable de rentrer chez lui.
Login qui est en train de faire une petite descente d'organes tranquille dans un coin. Ah ouais. Ah, c'est le marathon. C'est le mec qui a pris le plus cher. Eh, hey, tu veux pas dépasser Login? Il arrive et au final, le mec il s'est pris au jeu et pris au piège. Et c'est autour de traquenarder. C'est le mec. Fake. Il a cru faire ses beaux lacets en fait. Il s'est lassé les deux en même temps. Il s'est pété la gueule. Les Kinder Pingouis. Les quoi? Les Bueno? Les Kinder Pingouis. Il y en a dans le frigo. Au frigo. Ouais, parce qu'il fait tellement chaud qu'en fait le sac de gâteau est dehors et le reste est dans le frigo. Parce que sinon tu te retrouves à avoir plus de la pâte à tartiner que du. Vaïs Go Muscu qui dit bordel les avant-bras Diogo, tu go muscu point interrogation point exclamation. Ah presque plus. Là, j'ai un déficit de. Du doigt. C'est quoi? C'est à force de péter la gueule des joueurs Protoss dans la rue que tu as développé cette masse musculaire Diogo? Ah, c'est ça. Toute la frustration qu'ils ont générée en 8 ans en ma personne se transfère dans les avant-bras, évidemment. Alors, Bava qui nous dit Yogo fait de la muscu depuis que je le connais chez Millennium, depuis 2010. Voilà. Tu as des gens qui te suivent bien. Hein. Attention, là, on est presque dans le creepy là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Presque dans le creepy. Le numéro de sécurité de Yogo, d'ailleurs. Je me souviens. Alors, on est sur l'immensité de la carte. Ça, c'est de la carte. C'est de la carte. Enfin, à trous. Mais... Lambeau, il a montré qu'il était quand même. Coriace. Qu'est-ce qu'il fait là? Parce que souvent, en fait, quand tu fais une chambre d'évolution, c'est pour faire une amélioration. Genre, avant le speedling. Là, on l'a fait. Après le speedling. Donc, elle va arriver tard. Mais elle va arriver. Donc, c'est quoi le plan? Est-ce qu'on fait même pas une deuxième chambre d'évolution après? Je n'ai aucune. De toute façon, là, t'es dans une situation où t'as genre tellement pas d'infos sur ce qui se passe. Cette carte, elle est immense. Et les prises de base sont éloignées. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a une carte de ce type où tu dis elle est grande, ça va être de la macro. Et en fait, défendre des bases, c'est un cauchemar. Donc, elle est très, 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 très violente malgré la distance qui sépare les joueurs. Et Trou qui va chercher une amélioration. Très bien. Beaucoup de rôles lancés du côté de chez Lambeau, ce qui fait les affaires de Trou. Hein, oh là là, il est à poil. Le mec, il paye une upgrade, il paye une des trois. Et pas d'unité. Voilà. J'avoue, petite défense là, un peu olé olé de la part de Trou qui va du coup feinter avec ce puissant de défense pour ses links qui vont du coup devenir résistants au Benling. C'est et ça. Ne plus exploser comme des petites merdes. Et là on a un tier 2 qui est lancé très rapidement du côté de chez Lambeau. D'un côté, j'ai du mal à identifier comment la partie va se goupiller. Genre, c'est cool de réussir à planquer cette amélioration. Maintenant, on va pas porter son jeu sur les bendlings, même si on a la possibilité d'en faire. On va faire des cafards. Et surtout, on a casé des drones beaucoup plus tôt. Donc, on paye bien sa B3, on paye un peu plus de technologie. B3 avec des arbitres, ça reste un enfer sur Terre. Et du coup, là, on va partir sur quoi? C'est du Masslings qui va nous faire trop ou... Aucune fuck. Bah en fait, c'est Trou, tu vois. À chaque fois, Trou, tu fais un pro. Fucking ID, man. Non, mais en fait, Trou, ça a toujours été le joueur où quand tu dis ah, il va faire des cafards, et le mec il fait des mutas. Ah, il va faire des hydralis, et là tu vois des Bane. Jusqu'au point où, en fait, l'année dernière, il y a un moment où on est là sur une. Il a 4000 en banque. Il va faire un 14-14. Non, mais et là, boum, il joue Protoss. 25 minutes de game, Showtime est mort. Showtime a 3 bases, il récolte plus, il y a 6 bases du côté de chez Trou et tout. Il a 4000 en banque et là on est là. Alors à chaque fois qu'on dit qu'il va faire un truc, il va pas le faire. Et là, il va quand même faire des mutas. Et là, il a fait le seul truc qu'on ne pouvait pas pronostiquer. Il n'a rien fait. Littéralement 4000 en banque pendant 2 minutes, il n'a rien fait et Showtime est revenu dans une game avec 3 fois moins de base. C'était genre impensable. Je n'avais jamais vu ça en 8 ans de StarCraft. Bref, là en fait les Airlings sont sortis, ont quand même kické une base. Au coup, une nerf du côté de chez Lambeau. Le Nidus, c'est assez stylé. Et ouais, carrément. Il va falloir le. Un gros shot à chaque fois que tu dirais en fait. Ah, et c'est dur les gars de parler 10 heures durant avec 10 heures durant pendant oh, 10 heures. Le Nidus qui non, pourrait être posé. Bien. Il est trop bien. Si. Oh, il est vu. Ah, mais il est lancé. Donc aucune incidence. Et là, il n'a pas possibilité de faire des Bane. Tu sors avec quoi en premier? Avec des cafards? Il faut faire attention. On rentre avec les Queens. Toujours. On va avoir une petite Bane derrière. Et voilà, Calabre du Nidus. Ok, c'est parti. Le heal oui. Oui. Le heal encore oui. Oui. Le heal toujours oui. Lambeau
tendance, c'est les cafards qui sortent dessus. Le Ninus qui vient de se faire défoncer, on est en train d'en relancer un autre. Mais okay, trop en déficit de population. On sort les drones, Lambo ici sur l'agression, qui va essayer de faire le cut. Heureusement pour Troul, la défense de ces Zergling, bah fait en fait qu'ils doivent être tri-shot par les cafards et non pas two-shot. La bête qui sort, mais un petit poil tard ici. On est en train de perdre beaucoup. Maintenant, avoir une deuxième amélioration de Zergling. Troul, il a plus d'armée. Hein. Bah, c'est ça. Mais ça pourrait stabiliser. Troul, hein. Il a plus d'armée, il va devoir défendre avec ses drones. Et autant te dire qu'ils sont pas faits pour ça, les drones. Ils sont là pour droner. C'est le moment où il défend avec ses dents, hein, comme quand il pèle, quand il creuse son trou. Allez, oh, allez, ça allez. Sort Lambo qui va mettre le 3. Hein. Aïe, il y a le sport, il y a faire les sports anti-mutalistes, que le mec est tellement au top. Oh, la réactivité de Lambo sur cette séquence où il perd sa V3 et maintenant allez, est en train de mettre les derniers clous dans le cercueil en cagette de trou. Dans le visage direct, le clou. Ouais. De trou ici qui s'est fait jambonifier à la salle. Hein. Ah, il s'est fait 3 quand même, assez dominant. Lambo qui rappelle. Ah, voilà. Là. Crucifié sur un lampadaire là, trou, sur cette petite séquence. Ah, c'est violent. Hein. C'est très, très, très violent. Parce que là, l'accès à la base principale, c'est l'accès à quasiment toute la technologie. En fait, l'aiguille est même décédée. Là, c'est du timing. Parce que là, les mutas peuvent pas partir. Parce que dès qu'ils vont. Qui va se barrer, bah, toute l'armée de Lambo va débarquer. Et non. Ah, c'est le moment où tu GG là. Mais bon, on va laisser quand même un peu réaliser ça tout seul. Là, il y a Sporuleur. Ah. Allez, c'est le moment où il faut descendre la rampe à coup de Sporuleur. Ah, Lambo, la vivacité qui fait la petite surprise quand même. Un trou et un très très gros candidat quand même de ce genre de compétition. Même s'il est très sous-estimé parce que, bah, en fait, il fait que les gros events, on ne le voit plus sur les clubs online qu'il farmait fut un temps. Et là, bah, il se fait bananer par Lambo qui a bien progressé. Voilà son petit séjour en Corée qui paye. GG! Oh! Allez! Victoire de la part de Lambo! Lambo qui envoie du fat pâté sur ce coup-là 3-1 et qui passe du coup en quart de finale. Pourtant, il s'était fait tellement allumer sur la première game. C'est vrai. C'était violent. Donc, Lambo qui affrontera un autre joueur Zerg, ou une joueuse Zerg, Scarlett ou Nercho, ça sera l'histoire de notre prochain match. Alors, ils sont un peu. Le temps qu'ils set up l'interview, on peut refaire un petit peu un bracket pour montrer où est-ce qu'on en est dans cette compétition qui barre son plein, qui sera conclue demain sous les alentours de minuit, 1h, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça dépend à quelle vitesse. Serge va mettre ses 3 et 4-0. Voilà, Zedan ici, Nib contre Mana, Stefano contre Snut. Donc il nous reste du français. Après, il est dur, TLO, Bly contre Special. Mais restez à l'affût. Il nous reste un joueur français. Il nous reste le joueur français qui a fait le plus de pognon sur le game. Qui a annoncé en début d'année, je veux refaire du pognon, les gars, il va falloir compter sur moi. Et il est là, Stefano qui sera du coup sur vos écrans et dans nos cœurs juste après la pause ou alors la suivante. En tout cas, c'est ce soir qu'il va jouer. Restez dans le coin, bien sûr, sur Gaming TV pour cette DreamHack hosting. Interview, break, et on revient tout de suite. Ah, il n'y a pas l'interview. Bah, pas l'interview, bah, tu te démerdes. Qu'est-ce que je te dis Interview. Tu improvises. Tu fais les questions et les réponses. Ailleurs, on a du Patrick Sébastien. Le petit balamousse qui s'élance et rate le plongeoir. Et du coup, je vais rappeler que demain, alors on enchaîne ça, c'est WSS avec un petit peu de labeur, histoire de se mettre bien, jusqu'à demain sur les coups de 14h, où normalement Cripsales devrait me rejoindre pour faire la Go for Starcraft en direct. Oui, du fromage en direct. Du fromage en direct. Ouais, ça va être sacrément stylé. Et sur les coups de 17h, demain, ça sera 17h autour de WSS. Pouf, de retour accompagné de Pankadelic pour la suite. Ah, c'est la Funky Cast demain. Yes, dégliqué. Bah, merci. Tu nous dis quand toi, t'es bon, Rock. Philognus qui dit merci pour l'instant musical. Pas de problème, écoute, moi aussi j'adore la culture. On envoie l'interview du coup du winner Lambo. A tout de suite. It means a lot to me. Usually I always had trouble in offline events, but somehow in Austin it actually is better than usual. Also last year it was my first top 16 here, so somehow in Austin is my city, you know? The fans definitely love to hear that, and it's great to see that the momentum is still going for you. Let's talk briefly about this series. It was overall a very strong series for you. The only map that you lost was the first map on Catalyst, and we noticed that after the game was over, you were sort of chuckling to yourself. So what was going through your head there?
I just laughed it off because usually I never lose to this build. Like, this build has been around since quite some time. Actually, it was very popular last year around Austin, and I beat quite a couple of players that tried doing it, and that was like the first time I lost to it, and I can't even remember the last time I lost to it. So I was kind of annoyed at first, but I was like, whatever. If he needs to do these kind of builds, you know, then I'm fine. Well, luckily you were able to take the next three maps in a row, and now you are moving on to that round of eight. And it's going to be another Zerg player, Scarlet or Nurcio, both very strong Zerg players. So what do you think of those two players and their strengths? They're both very, very strong. Nurcio plays more the standard style, more the solid style. Scarlet is very tricky. She has a ton of different build orders. So I actually would prefer Scarlet because I think against Nurcio my score is completely terrible. I think he's the player that beats me. So I hope I get Scarlet, but I wouldn't mind either of them. I think both are beatable for me. That sounds great. It's great to see you in that top eight. Congratulations again, Lemma. We'll talk to you in just a little bit. Let's head back to Nathanius. You wanna break the chain?